Alors attends, je vais monter le game jour.
Voilà. On va faire le tour de toi. Hein. C'est un spécial stage ça? C'est la première fois que j'ai le spécial stage.
Après, il faut que j'aille faire péter sa limite à lui. Thank you.
Je crois que j'ai plus de tickets là. Bon. Attends, comment on va te faire péter la limite? Ah non, elle est déjà pétée. Ok. Bon sang, bon sang, bon sang.
Voilà. Ouais, je le sens, moi. Je vais le faire monter jusqu'à 80 et après. J'ai vu aussi que j'avais au Kitake là, vu que je m'en sers pas trop lui. Je m'en sers juste pour faire les cristaux. Je crois qu'il a 20% d'attaque puissante. Ouais, de toute façon là je vais le farmer jusqu'à que je le mets à fond. Je vais le mettre à fond, à fond. J'ai rien eu sur la solo gratuite. Ah, je l'ai pas fait encore. On va la faire après. Mais bon, jusqu'à maintenant j'ai rien eu jusqu'à maintenant sur la solo. J'ai même fait tout à l'heure, j'ai fait celle de mon neveu là, parce qu'il m'a laissé son compte pour que je lui farme. Et il a rien, il a même 4 étoiles. J'ai pas fait le mien. On va aller le faire là. Allez voir. T'as eu 5 étoiles, putain, gars. Chatard, hein. C'est moi, depuis, j'ai rien eu. C'est encore pire d'avoir une fausse joie. T'as eu qui? C'était un doublon. C'était un troll du jeu, c'est un doublon. Merde. Espérons que ça soit un bon doublon. C'est vraiment un troll. Yu-Gi-Oh! Oh. Il est pas mal quand même, Yukino, non? Surtout que Yukino se joue plus. Ah. Yukino, c'est le tout petit, c'est ça là? Ouais, c'est celui-là, là, le tout petit, là, le petit jeune. Ah ouais, Baragan, putain, j'aimerais bien l'avoir lui. C'est un perso que j'aime bien dans l'anime. Ah ouais. Parti. Mais de la merde. Tu vois, même moi j'aurais préféré avoir Yukio que ça. Putain! J'ai Baragan 5% plus de doublons par. Il a quoi en sous-trait Baragan? Je te le donne si tu veux. Ah ouais, ben je veux bien, je te donne une Amori. Ça devrait être interdit avec 3 étoiles de merde là. Abusé ça. De l'esquive. Ah. Ah, ça peut être. C'est un truc que j'aimerais bien essayer, tu vois, full esquive pour voir si vraiment il y a du. Ça change le gameplay. Et Namori,
je crois que j'en ai une, je crois que c'est l'orange que j'ai. Ah, celle-là, là. Après, j'aime bien, elle fait une grosse sphère, là, qui est en prison. Je sais bien kiffer, elle. Je trouve qu'elle est pas mal. Après, bon, c'est, je l'ai pas monté, mais ça dégage des attaques puissantes, plus 20% aussi. Ouais, c'est pour les... Pour les cristaux et les cannes que je lui fais. Ouais, je kiffe bien ça. Barre, j'ai économisé pour le prochain portail, comme tu m'as dit. Ah ouais, le prochain portail, il faut économiser. Hein. Je suis à 700 orbes, je continue. Ah bah oui, putain, mais ça sera. Parce que c'est pas dit que tu chopes comme ça d'entrée de match. Évoluer. Ah, ok, je vais jusqu'à combien mini? Ah, il n'y a pas de. Moi, je connais ben, Guillaume là. Il a mis 3200 orbes dans Ichigo Fullbring et il n'a pas eu. Donc, autant tu peux. Tu mets une multi, tu peux l'avoir. Et autant tu vas mettre, ben, comme Rafiki, tu vas mettre 5000 orbes et tu leur bats. C'est vraiment toi et ta chance, quoi. Après, plus t'en as, mieux c'est. Comme tout le reste, on va dire. Mais après, après ça va être un step-up aussi. Donc bah pareil, il va falloir. Je crois que c'est un, ouais, je crois que c'est un step-up qu'il a dit Mathieu. Parce qu'il a dit que c'était le volume 2. Je sais pas si c'est un portail normal ou si c'est. S'ils vont refaire un step-up. Donc si c'est un step-up, bah, il te faut 1000 orbes. Que j'ai fait c'est 3000 orbes 105 étoiles boîte ah ouais là t'es dégoûté là quand t'arrives là tu mets 3000 orbes et t'as même pas un 5 étoiles là t'as envie d'envoyer un message à Calab et il me dit oh what the fuck ton jeu là est-ce que je continue le palier 7 pour espérer avoir le Ichigo le quel Ichigo le nouveau ou le Fullbring? Si t'as pas Kenpachi, oui. Non, je crois pas qu'il a Kenpachi. Je crois qu'il a, puisqu'il a fait, je crois, le portail du Noitra. Pour le 6 étoiles. C'est un step-up. Il sera sûrement venu saluer genre. Une petite gratuite. Ouais, je pense qu'ils vont refaire un step-up, ouais. Je pense que ça va être le même step-up. 6e 5 étoiles et ah t'as aucun des deux Ichigo ouais si t'as pas aucun des deux Ichigo ouais, j'ai envie de te dire continue quoi après c'est quoi ta box? Mais c'est quoi les persos que tu as eu parce que tu m'as dit? Attends, je reprends.
Mec, tu me crois, j'ai fait un reroll, j'ai eu 4-5 étoiles. Donc c'est quoi les 4-5 étoiles que t'as eu? J'ai Neutra, Riruka, Lucaria, 2, 3. Le Lucaria, c'est 6 étoiles. Ouais, même le tu peux toujours prendre Vasto, Fulbring, le Tigo de Désangre, Grimmjow, ça. Ouais, le Grimmjow il est pas mal hein, je trouve. Hein. J'en ai eu un en face en Brave Battle, ça tabasse. Hein. Avec les deux cônes et les ailes. Les deux cornes et les ailes, ouais, c'est le Secondaire et Tapa. Le cœur est très. Moi je kifferais l'avoir, hein, le cœur Secondaire et Tapa. Parce que j'ai en PVP, en vrai battle, il est pas dégueulasse, hein. Le Grimmjow, c'est le deuxième meilleur range derrière Ryoka, maillot de bain, ouais. Ah, le Grimmjow, je trouve qu'il est pas mal, hein. Après, j'aime pas le perso en lui-même, mais dans la limite je le c'est pas un arrancard que je kiffe quoi. Mais dans le game il fait le taf hein. Mais déjà son centriste en tango, c'est quoi, c'est 16% lui, pareil, que la Rukia Nounours. Il me semble que c'est ça, même. Parce que ouais, lui en fait, c'est bien parce que le Grimmjow, tu lui mets le Grimmjow, déjà il a son soultrait de base, moins 20 en plus. Ah ouais, tu lui mets moins 20, plus le Grimmjow là, que je suis en train de farmer. Non, pas celui-là, celui c'est l'attaque. Tu lui mets la Rukia. Ouais, il y a de quoi de faire un gros. Ah, c'est moins 20%, ouais, c'est ça. Moins 20% de dégâts, ouais. Il y a moyen de faire un gros tank en fait avec lui. Ah ouais, moins 20%, ouais, tu te rends compte. Si t'arrives à avoir. Un doublon ou un triplon. Le truc il va se faire taper dessus pendant un quart d'heure quoi. Trop de persos de merde là, vous me donnez là aussi. J'en ai marre. Plus j'ai mis personne à faire sauter la limite. T'as vu, dit Chico, toi? C'est trop pété les réductions de dégâts, grave. Ah, ouais, c'est clair que lui, tu le mets là, et on va pouvoir lui taper pendant un moment, quoi. Certains peuvent avoir moins 4 si tu mets full vie. Ah ouais. Manimour 3200 PV. What the fuck? Putain, Nemo. Putain, j'ai voulu Nemo. Il a pas voulu venir. Ah ouais, en fait, ouais. Ah ouais, 3200 PV, tu lui mets plus le.
Puis si tu arrives à lui mettre moins 80, ah, le truc peut se tomber. Truc, tu peux aller manger, revenir, et ton perso il est encore debout au milieu de l'arène. Ah ouais, c'est complètement pété quoi en fait. Malheureusement, il n'y a que Zabimaru. Ouais. Je déteste ce perso, quoi. C'est un perso où je le déteste. Du coup, j'ai que 16 sur elle. Ah ouais. Et tu peux lui acheter la Rukia. La Rukia Nounours. Là, pareil, 16%, il semble. J'ai requin, mais c'est un perso vert, du coup elle booste. Pas avec les potions. Ah ouais. Ah, les potions d'affinité. Il devrait sortir un truc dans le menu où c'est qu'on peut voir tous les persos avec leur sous-trait, tu vois. J'ai aussi Grimmjow, Kenpachi, Neil, excellent damage réduction. C'est juste qu'il faut prendre les couleurs en compte. Ouais. Ah, ils l'ont rajouté, ça y est? Ah, ok. Ah, j'ai pas vu, j'avais pas vu, tu vois. Au moins, tu vois, ça te permet de te focaliser sur un perso, tu vois, que tu veux vraiment par rapport au sous-trait, même si c'est pas un perso avec lequel tu veux jouer. Mais juste pour son sous-trait, ouais, c'est bien ça. Ah, c'est bien, ouais, si tu on peut les classer par sous-trait. Tu es passé par 80. Pire, je reprendrai des tickets. J'ai encore pas mal de persos à monter. Pour récupérer des orbes en plus. Ah, avec les 2 ans là, laisse tomber, trop de choses à faire. Là. Je suis à une heure des 250, je vais tenter la dernière multi du désespoir pour Ichigo et Nitra. J'espère pour toi tu vas l'avoir. Que la chance soit avec toi. Allez. Oh là là, ce Nitra. Il te fait rêver quand même sur Nitra, c'est un truc de malade. J'arriverai pas à en reformer 250 dans l'antenne ça. Bah après, si c'est le step-up, t'auras la première gratuite, la deuxième à 150. Donc peut-être qu'en 2 multi, t'auras possibilité d'avoir. Surtout que là, je pense que d'ici à ce qu'ils mettent le deuxième step-up, je pense que les serveurs ils sont réparés.
Et du coup, ben, on aura la compensation. Donc, espérons qu'il donne au moins une fontaine d'orbes ou quoi. Au moins, ce qui te permettrait de faire une multi, quoi. Bon, attends. Il n'y a pas besoin de te mettre en entrée, tu vas voir. Il n'y a pas de lui. Je vais mettre le 31, ouais. Mais tu veux, ça sera bye bye pour plusieurs semaines, ouais. Bon, après, ils va revenir, mais bon. Après, ça sera la même, ils vont le faire revenir avec un autre et avec deux autres persos, donc t'es pas obligé de que tu prennes que tu prennes le Ichigo, que tu prennes un autre perso, tu vois. Allez. Sans ordre. Plus que 25-50, j'y crois pas trop. Bah après, comme il a dit, là, ça sera pas 5 orbes, donc, parce que le moindre problème, jusqu'à maintenant, il te donnait 5 orbes. Mais là, vu que ça fait depuis quand? Depuis samedi que ça galère. On est quand même jeudi. Donc, j'espère qu'ils vont pas compter que 5 orbes par jour, style, tu vois. Après 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ça ferait 30 orbes. Je pense que s'ils nous donnent 30 orbes, je pense qu'ils vont s'apprêter à prendre une déferlante de commentaires de fou, quoi, je pense. Je pense que là, ils vont se faire lyncher s'ils nous donnent que 30 orbes. Hein. À 40 orbes, je pense que tu dirais. Imagine à mon avis, c'est 5 par jour, ouais, c'est ça, ouais. Ah, j'espère pas qu'ils vont partir là-dessus parce que si je te dis si c'est ça, je pense qu'ils vont prendre ils vont en prendre plein la gueule. Hein. Parce qu'après Mathieu il a dit si plus ça galérera, meilleure sera la récompense. Mais bon, si c'est 5 orbes par jour, Mathieu, je vais lui dire 5 orbes, j'en ai rien à foutre, tu vois. Si vraiment ils veulent faire une bonne compensation, c'est vrai. Ouais, faut qu'ils nous donnent au moins une centaine d'orbes. Ou vraiment s'ils veulent faire le truc, nous donner un deuxième perso 6 étoiles. Comme ils ont fait là, mais non, pas ça, j'y crois pas du tout. Quoi. Il y en a plein qui stipulent comme ça, qui se disent ouais mais non, ils vont nous donner un deuxième 6 étoiles, maxi 200. Et tu veux pas aussi qu'ils te donnent te donne la carte bleue non plus. Je pense pas qu'ils iront jusque là, mais ouais, je me dis au moins 100 orbes, tu vois, au moins 100. Qui se différencie, tu vois, de Dokkan, parce que Dokkan là, hier, leur putain de mise à jour là, elle a duré toute la journée presque. Et ils m'ont donné quoi? 7 DS, 7 DS, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui aussi, ce matin, il y avait la mise à jour. Après, il y a eu une maintenance d'urgence encore. Ils ont donné quoi? Une DS. Une DS. À un moment donné, il faut pas abuser. T'sais. Ça fait une single, peut-être le. Il y a encore le step-up, tu peux pas faire single. Ouais, ça aussi, j'aurais dû faire une single sur le step-up. Une multi gratuite, je dis au minimum pour être correct. Ouais, voilà, un truc comme ça, tu vois. Ou une multi gratuite qui représente, voilà, qui représente au moins 250 d'orbes, voilà, c'est pas négligeable, tu vois. Je suis pas fan du level 200, il y a tous les qui courent, qui se pointent avec leur level 200, ils sont tout puissants alors qu'ils. Ils savent même pas jouer ça, je suis d'accord avec toi. C'est clair que
Quand tu vois qu'un mec il commence le jeu, il à peine le jeu, il connaît même pas les bases, tu vois. C'est ça le truc, c'est que normalement tu commences avec un petit voilà, avec un petit level, et tu comprends le jeu, tu t'améliores, tu vois, tu fais quelques, on va dire, tu fais quelques conneries. Mais au moins voilà, ça te laisse pas faire le début du jeu et à comprendre tous les automatismes, les trucs comme ça. Là tu commences avec un 200, c'est clair que le mec, pour peu qu'il chope Kenpachi, Noitra, le mec, ça y est, il te dit, il croit que c'est le meilleur. Comme si que ça faisait depuis que ça faisait 2 ans qu'il joue au jeu et presque il va t'apprendre, tu vois, il va te dire, ah ouais mais moi j'ai ça en 200, ouais mais t'as qu'un perso 200 mec. Essaye déjà de. Et après, il te pose 40 000 questions et comment on fait ça et comment on fait ça. Bah, demande à ton perso 200 comment il fait. Enfin, mais des camps d'Okan 700 DS en un mois, ils vont pas lâcher plus pendant ce temps. Ouais, les ouais, 700 DS, ouais. Et bon, là, pareil, les 700 DS, ils te les donnent pas comme ça, il faut que tu farmes. Nombre de gars de 10 avec des persos OP level 200 que j'ai vu, c'est abusé, ouais, grave. Grave, grave, parce que même avec le step-up, le mec il a pris un level 200, plus dans les multi, il a pris 3-4 persos 5 étoiles, et dont les deux Ichigo. Donc, tu te rends compte, le mec il a Neutra 200, il chope les deux Ichigo, le mec il a. Il a la. Si c'est pas la meilleure équipe du jeu, quoi. Je suis pas fan non plus de forme Dokkan, mais Gogeta ça motive. Ouais, Gogeta. Ça motive, ouais. Ouais, je l'ai vu, j'étais là. Wow, plus le nouveau LR aussi qui va être débloqué. Mais c'est clair que Gogeta, il va faire. Mais bon, je trouve abusé quand même qu'ils mettent Gogeta maintenant, en sachant qu'on vient juste de faire les 2 ans et que plus personne n'a de DS. Tout le monde a invoqué pour avoir des doublons, des SJ4 et tout. Donc je trouve ça un peu abusé et je pense qu'ils auraient dû. J'aurais dû attendre un petit peu, quoi. Par contre, quand je mets un 5-10 ans, je sens trop la fin du game. Je te dirais que pareil. Pareil, parce que là, je trouve que là, vraiment, ils mettent. Alors, à moins que, après, ils partent sur les dieux de la destruction, est-ce qu'ils vont suivre les Dragon Ball Super? S'ils partent dans ce sens-là, on va dire que le jeu a une suite, quoi, on va dire, puisque avec les nouveaux épisodes et tout ça. Mais s'ils mettent pas les dieux de la destruction. Je pense que ouais, en plus apparemment j'ai vu que qu'ils avaient déposé deux noms de je sais pas quoi de jeux ou de manga qui vont sûrement retranscrire en game ou quoi. Donc ça pourrait annoncer la fin du jeu ou en espérant peut-être une refonte du jeu. Parce que c'est clair que les trucs des boules, ça me gonfle un peu quoi. On dirait un jeu pour enfants quoi. Des fois tu vois, t'es là, sûr qu'un enfant de 8 ans, tu lui expliques le truc des boules. Je pense que voilà, il serait joué quoi. Là, si tu vois Dragon Ball Super qui pue, ça dit un bon sens. À part de la nouvelle transpo de Goku qui va craquer, personne.
Ben, invoque pour les dieux de la destruction. Pourtant, il y a, moi, il y a des dieux, ouais. Bon, après, il y en a, ils ont je te dis, c'est vraiment un dieu de la destruction, ça. Il y en a, ils ont des têtes cheloues, quoi. Après, la souris et tout ça, tu te dis, ouais, j'aurais pu trouver mieux, quoi. Re-siro. Ouais, après, je sais pas l'avenir, tu vois. Bah, après, j'ai dit, mais s'ils arrêtent le jeu, c'est ouais, ça serait con pour eux, bah, parce que ils gagnent des millions avec ce jeu. Je pense que c'est le jeu free to play, bah, entre parenthèses, c'est plus play free to pay. Je pense que avec tout l'argent que ça leur rapporte quand même, je pense pas qu'ils vont le lâcher comme ça, quoi. Les dieux moisis, les gardiens moisis, les gars du tournoi moisis, ouais, c'est vrai que le tournoi, ouais. Avec la brolette et tout là. Là j'ai trouvé ça abusé quoi, la broly version féminin là. Putain, ouais, d'accord. Oui mais il faut un autre jeu, Dragon Ball, derrière, du coup ils gagneront toujours autant. De compte sur la Jap et même plus dans le top des téléchargements. Ah ouais, d'accord. Après, ouais, ça serait bien qu'ils fassent un nouveau Dragon Ball pour ouais, dans le même style que Bleach. Ça serait sympa. Parce que là, le truc des boules, moi, j'en ai ras le cul. Tellement j'y vais même plus sur Dokkan, j'y vais juste pour me co. Tiens, il faut que j'y aille en plus. On va juste y aller. Enfin, je sais pas si. Non, c'est pas celui-là, merde. Je l'ai pas sur celui-là. Il faut juste que j'y aille parce que maintenant, en plus, les enculés, ils ont changé le truc de le bonus de connexion là, ils l'ont mis à 5 heures. Comme par hasard, tiens. Comme Bleach. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont en plus des connards, ils ont rien dit. Comme d'habitude. Attends, alors je vais mettre ça là. Je vais ouvrir le stack. Là ils pompent des thunes avant que les joueurs se rendent compte que c'est la fin et qu'ils se sont fait niquer quoi. Parce que y en a, laisse tomber, il y en a, ils ont mis 1000 euros pour le Broly LR. Ou il y en a qui n'ont même pas vu. Et là, le mec, laisse tomber, là, il va être. Ils vont péter les plombs, je pense. Ah, mais. Là, plus ça va, plus je trouve que Dokkan il se tourne vers Bleach. Plus ça va, plus. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il copie ou quoi que ce soit, ou si c'est parce que Bleach fait un gros boom au Japon pour comparer maintenant à Dokkan. C'est clair que leur bonus de co là me casse les couilles. Ah, attends, je peux vous mettre sur mon Dokkan. Voilà. Là. Non. Eh ben. Allez. Capture de jeu. Là, il est en train de me vouloir plonger. Non, il veut pas. Allez, mais pourquoi tu veux pas là? Il est con ce truc ou pas?
Attends, je vais vous remettre sur l'autre le temps que je trouve. Supprimer. C'est bon, je vais faire supprimer. Voilà, voilà. Hop. Hop. Ouais, Dokkan c'est le seul jeu qui a pas évolué, ouais c'est ça, c'est ça que je comprends pas qu'ils refont pas une refonte là, en plus là avec leur coffre et puis là, toujours à gratter du bif là, c'est un truc ça me saoule ça. Toujours il faut qu'ils grattent, ils grattent. Ah, 3DS. Un truc, je peux pas ramasser de toute façon ça. On est trop. Naruto c'est naze au début, mais au moins il y a eu des améliorations. Ouais. Moi tu sais quoi, j'ai commencé Naruto, mais en fait j'ai pas accroché. Moi c'est le truc, tu sais, de faire bouger les persos sur la map, mais ça m'a pas attiré plus que ça, tu vois. Expert. Ah ouais, putain, c'est abusé quoi. Il y a plus de temps que j'ai passé dessus quoi. C'est putain de jeu. Après ouais, de toute façon Dokkan j'ai pas mis un euro, je mettrai pas un euro dedans. C'est ouais. Voilà. Oh la masse, il marche plus. Putain, il m'a cassé les couilles ça. Attends, hop, faut que je bouge mes pas ce coup-ci. Désolé, je devais partir aider mes parents, du coup j'ai pas entendu, j'invoque ou pas. Ouais, si t'as pas les deux Ichigo, oui. Si t'as aucun des deux Ichigo et que t'as pas le Kenpachi du 6 étoiles, non. Il vaut mieux que ouais, tu essayes de l'avoir, quoi, d'avoir au moins un des deux. Ouais, là, c'est sûr que là, sur le portail, il y a le meilleur des trois, ouais. Ouais. Il y a le meilleur rouge, ouais, il y a le meilleur bleu, il y a le meilleur vert, il y a le meilleur orange. Donc ça fait 4 persos déjà. Ouais, un des meilleurs oranges. Je crois que t'as la Ryuka, donc c'est la BA. Allez, moi, c'est... Voilà. Bon, allez, du coup, je repasse. Voilà, parce que ça, je joue pas. Ça me saoule, donc quand même. Allez, ciao. Hop, Nox. Voilà. Hop. Hop. Ça va. Voilà, du coup, je vais prendre le ticket. Je continue à faire. 15h30, ouais, vas-y. J'ai plein de persos, encore 4 étoiles à maxer. Quoi. Je vais récupérer. À choisir, je préfère mettre 20 balles sur Bleach que Dokkan. Dokkan, ils peuvent aller se faire niquer. Je ne mettrai pas un pélo dedans.
C'est quoi ce green bouquet? Là, je ferme 50 orbes et ce serait bon. Ok. Salut les gars. Parti. Ah merde, quel con. Putain, non, je suis pas prêt. J'étais à 80, green jour, je vais faire se péter. Mais ouais, donc avec leur pack pilaf de merde. Le truc 8 balles en plus. Pour avoir un ticket SSR là et que tu prends un SSR de merde en plus. Tout ça pour gratter encore, pour gratter, gratter, gratter quoi. C'est abusé. En plus en sachant qu'apparemment ils vont mettre plusieurs packs pilaf là. J'ai vu dans le descriptif, t'en as plusieurs. J'étais là, non mais c'est abusé quoi. Entre les DS, les packs, pilaf et tout, non mais vraiment ils veulent gratter, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je pense que là, ceux qui mettent de l'argent, s'ils arrêtent Dokkan, ceux qui ont mis je sais pas combien dedans, 2-3 000 euros là, ah bah il va pleurer. J'espère pour lui qu'il pourra le revendre son compte. Parce que laisse tomber. Salut, j'ai eu le Ichigo de 2 ans. Ah ben, GG à toi mec. Et là j'ai le Ichigo Fullbring et Tsukishima au troisième palier. C'est bien ou pas? Bah, je veux que c'est bien. Je veux que c'est bien. T'as le meilleur Ichigo bleu. Les 2 ans, t'as le meilleur Ichigo, le Fullbring, c'est le meilleur Ichigo vert. Et le Tsukishima, il est bien. C'est un healer en plus. Il y a des gens qui sont hype, genre c'est une exclu globale, les moutons. Bah ouais, mais ça a été pareil pour Broly LR. Tout le monde s'est dit, non, il n'y a que nous qui l'aurons, nani, nana. C'est bien, tout le monde faisait, s'il faisait les malins, on aurait dit que presque ils t'avaient accordé un crédit rien qu'à toi et le reste du monde non. Donc, et même pas une semaine après ou quoi, il l'avait aussi. Donc, au final, mais bon, je trouve ça con aussi dans le truc que nous on l'a eu avant la JAP. Là, bon, c'est vraiment débile parce que, en sachant que normalement la Jap ils ont toujours tout avant nous, donc là je sais pas pourquoi ils ont fait vraiment ça quoi. Même Brice a dit arrêtez de troll, etc. Un jour ça va clore et tout le monde aura plus rien. Une fois, pas de bêtises, lui. Oh oui, mesdames et messieurs, Brice. Ah, il est gentil, Brice. J'ai commencé à mentir. Ah, ben t'es bien. T'es bien, Lucas. Je pense que là, commencer le jeu direct avec. T'as deux persos. Les deux meilleurs persos du jeu, pardon. Et après, je sais pas qu'est-ce que t'as pris. Et après, tu peux m'aider ou pas. Oui, je peux t'aider, mais sur quoi tu veux mon aide? Parce qu'après, il te reste le portail du 6 étoiles. Et comment t'as fait pour l'avoir en 6 étoiles, le Ichigo de 2 ans? Ben, j'ai. Tu farmes. Ouais, tu farmes. Tu farmes. Il faut que tu aies tous les cristaux. Donc, tu vas monter son arbre. Une fois que son arbre il sera à 100%, donc tu seras arrivé jusqu'en bas, ici, là. Et ben, en fait, quand il va revenir. Au lieu d'avoir marqué sous le trait, tu auras un truc comme quoi pour le monter, il te faut des Obyoku pour le monter de 5 à 6 étoiles et tu repars à zéro, donc avec un arbre remis à zéro et le niveau remis à zéro aussi. Il va falloir que tu refarmes pour le monter. Je sais pas si j'en ai un, 150 montées.
Voilà, bien. Enfin, tu prends le taquet, tu vois, maintenant il y a marqué libération. Donc, si je fais libérer, mais bon, là c'est voilà, c'est t'auras le même truc, mais là c'est pour qu'il monte de 150 à 200, tu vois. Il me demande des ogyoku, mais ça sera pas les mêmes, toi, ça sera des ogyoku marron là qu'il te faudra. Je vais te les montrer. Inventaire. Personnage, Ogyoku. Voilà. Donc t'as l'Ogyoku normal qui lui te sert à monter de 5 à 6 étoiles. Et la volonté du Ogoku, lui, c'est pour faire passer du level 150 à 200. Il passera pas d'un coup, hein. T'auras des nouvelles cases après en dessous, où il faudra que tu farmes des larmes. Je commande ici, je vais me faire enfler. Ah. Boom 4, ah putain, fuck. Putain. Là, je ferme ma story pour les perles. Ah, les événements. Alors, ça s'appelle pas des perles. C'est pas Naruto Blazing. Ça s'appelle des orbes. Tu le sauras. Ah oui, ça a l'air dur. Et comment on a les Ogyoku? Eh bien, les Ogyoku, en fait, tu les as. Donc, tu peux les avoir aléatoirement en faisant des événements. Ça peut tomber. Autrement, en faisant les quêtes hebdomadaires, tu vois, ici, là, ordre quotidien, tu dois compléter tous les ordres hebdomadaires. Donc, les 50 Brave Battle, les quêtes en coop. Après, t'as, je crois, c'est. Je sais plus combien d'ennemis tu dois tuer. Et après, tu pourras le prendre. Tu vois, comme ça, là je pourrais le prendre celui-là. Hop. Voilà. Et ça, toutes les semaines, tu l'as. Ok. Dans un moment comme ça, où même la plus grosse botte du game n'a pas trop monté le moral. Ah, c'est sûr que là, quand tu fais ta multi et que là, tu prends que du 3 étoiles ou 4 étoiles, là, t'es là, mais non, mais c'est 250 orbes, les gars. C'est pas une single que j'ai fait. Bordel. Oui, c'est vrai, c'est trop dur en DR. Et tu joues à Naruto? Non. J'ai essayé Naruto. Mais en fait, j'ai pas accroché au niveau du game, en fait. Le truc de juste de bouger ton perso en travers, de mettre un perso un à côté de l'autre, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas accroché, quoi. Non, attends, quel con. J'allais refaire la même connerie que tout à l'heure. Faut que j'aille monter mon Yo, Lucky! Comment vas-tu, Lucky, depuis ce matin? J'espère que le live s'est bien passé. Il faudrait que ce soir, je vais me refaire ton live pour les SSJ là que vous avez parlé cet après-midi. J'ai pas pu le regarder. On inverse les rôles. C'est ça, j'essaye de d'aider un peu tout le monde, quoi. Ouais, parce qu'au niveau 10, allez, il faut que je l'amène à 5. J'ai mis la rediff sur du. Ah, ben nickel, nickel. Je vais la regarder après. Là, je vais voir quelle nouvelle vous avez pu apporter. Aux choses qui vont arriver, en espérant que parce que tu vois, j'ai quelques personnes qui sont passées sur le live et qui sentent la fin de Dokkan. Hop, on ramasse ça. Hop.
Est-ce que les 4 étoiles, ils servent à quelque chose ou pas? Alors oui, les 4 étoiles, ils te servent pour deux choses. Quand t'as pas de 5 ou de 6 étoiles à mettre en sous-trait à tes autres personnages, il faut que tu les montes, que tu montes leur level à fond. Et quand tu les auras montés à fond, chaque personnage, même que ça soit de 1 étoile à 6 étoiles, ils te rapporteront des orbes. Donc le 4 étoiles, c'est 35 orbes. Le 5 étoiles, c'est 50 orbes quand il arrive à level 100. Et le 6 étoiles, quand il arrive à level 150, c'est 75 orbes. Donc c'est pas comme Dokkan, on va dire. C'est que pour chaque perso que tu vas farmer, que tu vas monter, etc., tu vas prendre des orbes en récompense. Je te souhaite bon courage sur ta carrière. Merci Lucky. C'est un peu grâce à toi aussi, hein. Si je me mets à faire ben, toutes les vidéos du matin, là. C'est toi qui m'as donné envie de le faire. Et comme j'ai vu que ça a aidé pas mal la commune de Dokkan, quoi, et même moi ça m'a aidé. Je me rappellerai toujours que je suis arrivé sur ton live pour avec mon petit Broly LR. Moi qui n'était pas LR du tout puisque je commençais le jeu. Et c'est grâce à toi que aujourd'hui il est LR et que j'ai la box que j'ai, quoi. Donc je te remercie encore. C'est une fois par perso, Lucas. C'est chaque personnage de l'affinité. Par exemple, je vais prendre, je sais pas, je vais prendre le nouvel Ichigo bleu. Une fois que tu l'auras monté à level 100, il te donnera 50 orbes. Et une fois que tu l'auras le monté level, enfin, 6 étoiles à level 150, il t'en donnera 75. Mais une fois par perso. Si tu rechopes par exemple un doublon de Ichigo, et que tu le fais une deuxième fois, il va pas te redonner 50 orbes et 75 orbes. C'est une seule fois. Par personnage, par attribut. Donc si par exemple je prends on va dire un exemple, Grimmjow qui est dans toutes les affinités, ben, pour chaque affinité, tu prendras 50 orbes. S'il est en 5 étoiles dans toutes les affinités par exemple. Ouais, c'est trop bien. Ah, c'est sûr que oui, si tu compares, c'est sûr que si on fait la comparaison à Dokkan ou sur Naruto, je pense pas que Naruto, après je peux pas certifier Naruto parce que j'y joue pas, j'ai pas accroché. Je sais pas si c'est comme ça sur pareil sur Naruto, mais je pense pas, et sur les autres, je sais pas non plus. Mais c'est vrai que c'est un des seuls jeux, on va dire free to play, où vraiment il te récompense pour chaque personnage maxé, quoi. Est-ce que c'est ce que Dokkan aussi aurait dû peut-être faire aussi? Pouvoir, une fois que t'as maxé ton perso ou quoi, te donner quelques DS, ça aurait été sympa. Ok, est-ce que tu peux me rejoindre ou pas? Je crée une partie. Là, je suis en train de farmer l'event. Mais après, oui, il n'y a pas de problème. Si t'as besoin d'aide en coop, pas de problème. Je viens avec mon perso et je t'aide. Lui, tu peux farmer 1000 à 1500 orbes par mois, gratos, ouais. C'est clair. Plus tout, après tous les events qu'il y a, mais il y a tout. Il y a toujours des orbes à récupérer, c'est ça qui est génial sur ce jeu. C'est que même en farmant, tu récupères, quoi. Tu farmes pas, entre parenthèses, dans le vent, quoi. C'est tu farmes pour ton perso et tout ça, mais en plus de ça, on te récompense. Tu peux venir voir ma multibart. Bah dis-moi mes 3 étoiles.
Bah dis-moi ce que tu as et je te dis. Ou envoie-moi une photo ou quoi. Franchement, au début, je préfère moi. J'avais un Naruto, mais là, je crois que je préfère Bleach. Parce que moi, Naruto, j'ai pas. Après, je dénigre pas le jeu ou quoi que ce soit, mais j'ai pas accroché en fait à déplacer ton personnage à côté de l'un ou de l'autre. Moi, je trouve qu'ils auraient dû faire un truc plus dynamique. Bleach de manière mythique, c'est le meilleur jeu mobile. Pourtant, Bleach, pas mon manga préféré. Pour moi, ouais, c'est vraiment le jeu, moi, un free-to-play où vraiment il récompense et t'as pas vraiment pas besoin de mettre d'argent dedans, quoi. Vraiment, si tu veux vraiment mettre de l'argent, c'est vraiment pour acheter le pack ou comme là le pack là des accessoires là qu'ils ont fait. Il m'a l'air pas mal, tu vois, ce pack. Parce que tu peux pas avoir d'accessoires de merde, on va dire. Il n'y a pas de montre, de ceci, de cela. Il n'y a que Chappie, Yuki, que des accessoires que tout le monde veut. Donc ça, tu vois, c'est des packs vraiment qui servent vraiment à quelque chose, quoi. Ouais, vas-y, expert, vas-y. Vas-y. Le pack d'accessoires est pas à voir. Il est pas à voir dans le. Moi j'ai bien kiffé quand même parce que on va y aller le voir. Parce qu'il te dit bien que comme quoi tu peux pas avoir d'accessoires de merde quoi. Quand tu vois que la misère que c'est pour avoir un Chappie et tout ça, un Yuki. Et moi au début j'ai fait pas mal de fusions mais j'ai rien eu quoi. Donc tu vois c'est là c'est Chappie. Ah, il y a que ça en fait qui me casse les couilles en fait. Il y a que ça que je veux pas. Ça je le veux pas non plus. Après ça oui parce que ça tu peux l'avoir que en invoque. Le bouclier est pareil. Le Yuki il y en a pas mal qui galèrent à en avoir. Le distributeur Papyrus pareil. Et le Chappie, au moins tu vois quand il te manque un Chappie, un truc comme ça, moi je trouve que voilà, c'est pas cher payé. Ouais, après c'est 26 balles, 27 euros, mais bon. Après j'aurais dû peut-être donner un ou deux pinceaux de plus quand même. Tu vois, il y a des trucs, c'est un peu light, mais dans le truc du ticket accessoire. Je trouve que c'est bien que tu sois sûr au moins de ne pas te toper une montre là. Parce que les montres, qu'est-ce que ça peut me saouler, quoi. Ah, tu réponds pas Skype. Attends, parce que je sais pas si. Du coup, s'il fonctionne. Attends. Allez, ouvre-toi. Tu as pour. Attends, hop, hop. Hop, ah ouais, c'est bon. Je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert, d'autres, tu peux. Parce qu'il n'était pas ouvert. Hop. Allez. Alors avec l'événement de 2 ans, tu peux avoir 50 tickets par jour. Ici, tu peux faire ici, 10 accessoires, 4 étoiles par jour. T'as forcément un Yuki dans le temps. Ouais. Et bon, après, pour les gens qui peuvent pas farmer, tu vois. Lucas, tu peux m'ajouter un ami ou pas? Ben, rajoute-moi, tu vois, et mon nom, c'est Bartefar. Tu me rajoutes et je t'accepterai après le live ou quoi. Pas de problème. J'ai encore de la place, il me semble.
Façon, après, je referai un tri pour ceux qui ne jouent pas, parce qu'il y en a plein, ils me demandent un ami, et les mecs, ils vont jouer une semaine, et après, ils vont repartir 6 mois ou 1 an, ils vont attendre les 3 ans pour revenir. Donc, c'est pas la peine. Ouais, ouais, si t'es feignant et que par rapport au travail ou quoi, putain, mais pourquoi il n'y a pas. Attends. Okay, c'est bon, fait ça. Appelle mon. Pourquoi il sonne pas le truc? Je sais pas pourquoi il sonne pas le Skype. Ah ouais, mais il sonne pas le truc. Alors, attends. Pourquoi tu sonnes pas? Ah, mais je sais pas pourquoi ça fait ça là. Groupe. Je peux même pas t'appeler, Rudolf. Je peux même pas t'appeler, je sais pas, tout est grisé. J'ai même pas le truc d'appel. Je peux même pas t'appeler. Ah, c'est chelou ça, pourquoi ça marche pas? Bien, mardi aujourd'hui, hein. Ah, je sais pas, là je peux pas. C'est bordel. Je ne sais point, mon amour. Attends, faut que je relance là parce que. Attends. Comment il me reste là pour me ramasser ça? Tu cherches avec le pseudo, ouais. Quand tu vas dans Ami à droite là, tu fais recherche et ici tu tapes mon pseudo ici et tu me verras. Alors c'est ça que je voulais. Hop. Ouais, je pense qu'il faut que tu redémarres ton Skype. Ah mais c'est chelou ce Skype puisqu'il est pas. Je crois qu'il fait partie de mon Windows en plus, je crois que merde. Hop. Oh là là, en plus c'est mon Mac qui est planté là. Putain. Ah ouais là, là, trop de trucs. Je coupe là parce que là. Ah ouais, super. Ah, attends, faut que je relance Nox. Putain, ça casse. Couille, hein. Il a craché. Non. Voilà, Nox. On est cache. Hop, hop. Hop. J'aimerais beaucoup que tu assistes à un métier. Ouais, mais là, je sais pas, il fonctionne pas. En plus, j'ai Nox qui plante. Mais ça casse les pieds, là. Donc, au pire, dis-moi ce que t'as. Dis-moi ce que t'as, et de toute façon, on te dira. Hein. C'est ah, ok. Tweet. Ah, si c'est pour voir une gold. Il me marre beaucoup pas. Donc. Ah, un truc aussi, ben, je sais pas si vous l'avez fait, c'est on peut récupérer aussi 35 cordes. Quand vous êtes ici sur la page là, vous allez à ancienne annonce, vous allez à les 2 ans de ouais c'est celui-là, les 2 ans de Brefsoul. Premier round, vous descendez, hop, ah non c'est où,
pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas là. Voilà. Alors ici, là ici vous avez un petit questionnaire à faire. Alors, je vous montre le deuxième en dessous. Là, quand vous faites un tweet, vous avez 25 cordes. Et ici, vous avez un petit questionnaire à remplir. Ça prend pas longtemps. Vous le remplissez. Alors, il y a plein de trucs. Et à la fin, il vous donne 10 ordres. Donc c'est pas négligeable, hein. C'est 10 ordres. Hein. Si on peut gratter 10 orbes par-ci par-là, moi je prends. Bart utilise la team numéro 1. C'est-à-dire la team numéro 1. Comme Ramassa, ok, 2. Et après on arrive Putain, c'est encore long. Donc il faut que je le garde pour la vidéo de demain, pour expliquer aux autres. Ah ben il y a Con, pour ceux qui veulent. Et la team numéro 1. Pourquoi la team numéro 1? D'accord. Ah ben c'est quoi ça, je le savais pas. Donc c'est Neutra. Mon équipe 1 c'est Neutra, Fullbring et Ginjo. Donc là tel quel c'est bon. Ok, bon ben alors attends. Il faut juste que je bouge lui et que je le mette là. Et après je le fais bouger. Mais ben ouais, c'est quoi, je savais pas, je croyais que c'était par rapport au perso avec lequel tu jouais le plus. Que t'avais ça. Hop, on t'a dit qu'on va le changer, on va mettre équipe 1. Et on va mettre le Ginjo. Que je finisse de monter, est-ce qu'on quand même, hein. Voilà. Alors, event. Je vais reprendre le truc aussi. Hop. 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 Sinon, moi, ils sont dans la merde. c'est bon, j'ai un coup. Hop. Bon, je suis sûr qu'il y en aurait certains qui aimeraient l'avoir, moi Ichigo, dès 2 ans. Un ami. Juste pour le voir. Mon perso le plus utile, c'est Danga, il est dépassé. Ah, mais tu crois que c'est un truc que je savais pas non plus, tu vois. Attendez, je vous laisse. Je vais juste aux toilettes 2 minutes. J'arrête.
Putain, les tickets violets, je dois en avoir à je sais pas combien là. Alors, attends, je reprends vos messages. 1, 2, 3, 1. J'ai eu Grimjo Orange. Ah, c'est bien ça. 263 orbes, ok. Allez, la dernière, faux full green. Le celui de 2 ans, voilà. Ok, je suis pas dans la dernière. Je vois dans 5 minutes si vous êtes encore là. C'est bien, sinon tant pis, mon dame. Ah, t'inquiète pas. Ouais, normalement, je serai là encore. Peut-être une petite demi-heure. Ouais, une demi-heure, moi. Je vais aller faire du con pour faire une petite pub de Grimjo aussi. Moi, ça fera depuis du coup. Non, j'ai réuni la dernière. Je continue à prendre pour en avoir au moins un. Ouais, tu faut au moins un des deux. Pour que tu sois bien. Pour que tu sois bien, il faut ouais, ou le full bring ou celui des 2 ans. Sachant en plus que celui des 2 ans, il va pas. Il va pas revenir tout de suite. Hein. Vu que là, ouais, vu que après ça va être. L'autre step up, ils vont pas le rajouter, je pense. Ils vont pas le mettre. Ok, mais ça va être chaud, je pense. Après, en même temps que tu farmes le mode histoire, farme les 4 étoiles aussi. Joue avec ton level 200. Et tu mets 2-4 étoiles où tu fais péter la limite. Et au moins tu prendras 70 orbes de plus déjà. Quand tu auras fini les maxi les deux. Salut du cul. Bienvenue à toi. Je vais aller faire on va aller faire des connes. On va aller faire con un peu là, tant qu'il est là. J'ai eu Ultra en double. Lequel, celui avec les cornes? Le second à étape. Je maxe l'aspect. Rappelle-moi son sous-trait à Ultura. Parce que des persos, ça sert à rien de monter leur attaque SP. Vaut mieux les garder pour leur sous-trait. Dis-moi juste son sous-trait. Je sais plus ce que je sais plus ce que c'est. Je vais rouler une fois. Dégâts des attaques puissantes plus 20. Ben si t'as pas d'autres persos. Si t'as pas d'autres persos comme ça, en attaque plus 20, garde-le. Garde-le en attendant. À la rigueur. Ce que je te dis, l'attaque split. Je trouve pas ce que ça soit. Je trouve pas que ça soit
Il y a des persos, même si tu leur montes leur attaque SP, ils font déjà le taf niveau 1. Niveau 1, ils font déjà. Ils ont, ouais. Si on prend par exemple un Fullbring ou quoi, je trouve que son attaque SP level 1 fait déjà pas mal de dégâts. Comme le. Comme le Ichigo des 2 ans. Donc t'as pas vraiment besoin. Dégâts des attaques normales plus 20% avec l'Ultra. Ouais, bien. Ça c'est le Neutra. J'ai déjà vécu pour les attaques puissantes plus 20. Ouais mais c'est ça n'empêche pas que après tu peux en mettre 2 en 20%, ça te fait 40% de plus. Donc garde-le pour le moment. Garde-le pour le moment et parce qu'après de toute façon t'as pas les accessoires donc mets-le en carlink sur un autre perso où t'as que un 4 étoiles ou un 3 étoiles en carlink. Tu le mets à sa place en attendant. Parce que je te dis, c'est pas parce que tu vas mettre son attaque SP niveau 2 que de suite ça sera un monstre quoi. Oui aussi, mais je fais quoi de l'autre? De l'autre quoi? Le Ikura, tu le gardes, tu te le mets en sous-tri sur un perso où t'as que du 3 étoiles ou 4 étoiles dessus, tu le remplaces par lui. Ça te donnera toujours plus de sous-tri qu'un 3 étoiles ou un 4 étoiles. Et après, une fois que t'auras quelques persos, que ça en 6 étoiles, et que tu seras tranquille à la rigueur, ce moment-là, tu mettras ton deuxième Neutra. Ton deuxième Lucura. À la rigueur, ou autrement, ce que tu peux faire, c'est de faire une équipe farming avec le Lucura. Et avec l'autre Lucura, tu te fais une équipe PVP. Je comprends pas, je vais te montrer. Ok, je vais te montrer. Alors, par exemple, apprenez. Voilà. Le sous-trait que je te dis, c'est ici. C'est Carlink. Donc pour le mettre, tu fais limite et équipement. Tu fais Charlink. Et tu prends ton perso. Et tu le glisses ici. Tu vois, par exemple, je prends lui. Hein. Bon, bah, écoute, de toute façon, Nightra, il faut que je le refasse après. Tu le prends, tu le mets comme ça. Voilà. Et là, tu as délivré des attaques puissantes, plus 8% encore. Mais bon, à moi, il ne sert à rien, parce que, comme je le joue Chappie, les dégâts puissants, ça ne fera pas. Voilà. Ouais, tu le mets sur lui-même. En attendant. Je te dis, ou tu le mets sur lui-même. Et tu fais avec. Si t'as que des 4 étoiles ou quoi en carnique, ben tu le mets à la place du 4 étoiles. Et sinon, si t'as déjà des 5 ou des 6 étoiles déjà en carnique, tu prends ton deuxième Ulcoria et tu te fais une deuxième équipe. Tu te fais une équipe avec Ulcoria en PVP. Donc là, tu vas lui mettre que des dégâts subis, des trucs comme ça, pour qu'il soit bien tanky. Et sur ton deuxième équipe, sur ton deuxième Ulcuria, tu le fais en farming. Donc lui, tu peux le mettre avec des trucs de farm pour les cristaux, pour les cannes, ce que tu veux.
C'est parti presque au sang. Après c'est bon. Voilà. Bart, j'ai répondu au questionnaire, j'ai pas de reçu de perles d'orbe. T'as regardé dans ta boîte à cadeaux ou autrement, je sais que maintenant comparé par rapport au problème des serveurs et tout ça, en ce moment ils ont mis normalement quand tu récupérais des orbes ou quoi, tu les retrouvais toujours dans ta boîte à cadeaux. Et là comme il y a trop de problèmes au niveau des connexions et tout, ils ont fait en sorte que dès que tu remportes des orbes, elles sont additionnées directement sur ton compte d'orbes. Donc t'as plus besoin de les récupérer, elles sont directement ajoutées en haut. Donc est-ce qu'elles sont pas, elles se sont pas rajoutées là-haut? C'est qui les persos bannières qui arriveront sur la diap le 31? Ok. Pour le portail de la diap, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé le Calab Station pour la japonaise. J'ai vu que celle de pour la globale. J'ai vu celle en anglais et le résumé de Mathieu en français. Mais j'ai pas vu pour le portail du japonais. Parce que je joue pas à la Jap. J'ai pas mal à faire sur la globale. 91. Je pourrais faire une multi sur Tensa. You. Bah, de toute façon, tu pourras faire la multi et t'auras la multi gratuite. Plus celle. Ah, putain. Plus la solo. Putain, c'est pas possible. De Ichigo. Bon là vous me voyez les vendre, mais normalement on les vend pas hein, les gars. Pour ceux qui commencent, les vendez pas. Moi je les vends parce que j'ai plus d'autres persos à faire péter la limite, mais autrement il faut les garder pour faire péter la limite et avoir le petit plus 4 là. Allez. Oh, les 4 étoiles, arrête de me troll, bordel. Ah, j'espère pas. Mais... Après, t'as trop de persos aussi, c'est pour ça. Calab, il le voit, il dit non, lui, il a trop de persos. Il faut d'abord qu'il monte ses personnages, ses persos à 200, et après, on lui donnera.
T'en as trop. Et le bien de faire les avènements ou pas? Ah oui. Après si. Là oui, là ça serait pas mal que tu les fasses, hein. Parce qu'en plus de les faire, ça te tu prendras des ordres en plus. Une fois que tu les auras accomplis, et en plus de ça, t'as plein de trucs à ramasser dessus. Bordel, quand même, c'est de la merde. Ah ouais, mais ils ont dit non, c'est trop. Tu veux trop de perso? Bon, devant me donner un trophée quand je vais terminer. Vu que j'ai la plus grosse box du jeu. Ouais, c'est que je veux le plus, c'est Ichigo Full. Fulolo, Lucaria et Aizen. Ah non 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 pas ça. Là sur toute la liste que tu m'as dit, bon, le Ichigo Fulolo, il est un peu vieux, il est un peu dépassé on va dire maintenant. Le Lucaria, moi je le trouve bien. Et le Aizen, si c'est le Aizen Ogyoku que tu me parles, il est pourri, il est nul. C'est une feuille de papier mâché le truc. Et il a juste le seul truc qui est bien, c'est que c'est un boss killer. Point barre. C'est juste tu mets ton ulti sur le boss et c'est tout. Mais après quand tu te retrouves au milieu d'un groupe, ah ben tu meurs. Il est trop fragile. Parce que j'y arrive pas. Pendant 14 heures, je suis en stress, je charge de l'aide, lol. Je suis donc un youtubeur. Youtubeur en sang, j'ai le respect. Ah, y en a, ils ont des grosses, grosses bottes, hein. Ah, Lucas, celui-là que tu aimais, toi. Celui de Figo, là. Quand il se bat contre Ultura. Comme 92. Allez, allez, allez. Quand ça arrive, là, je. Je veux quand. C'est un putain de monstre, donc je pensais que c'était pareil pour le jeu. Ouais, ben ouais, ils en ont, ouais. Ben quand à la base quand il est sorti, puisqu'il est sorti au début du jeu, ouais, un peu de temps après le jeu, après le début, c'était un personnage ouais qui était super. Mais là je trouve que là par rapport à la méta qui a évolué, il n'est pas du tout respecté quoi, par rapport à l'animé quoi. T'es con, Warner, c'est une crise d'épilepsie quand je mate ma box. Ils vont bientôt nous donner 700 DS, Dokkan. Ouais, non, ils vont pas te les donner. Il va falloir que tu les farmes. Ah, c'est pas, tu vas arriver le matin, tu vas te co, il va te dire, voilà, monsieur, bonjour, 700 DS. Non, 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 non. Non, non, il va falloir que tu les farmes, les DS. On a pas le lobby. Eh ouais, trop de trucs brillants dans ta box, ça va pas, ça. Est-ce que tu peux m'aider ou pas, s'il te plaît? Ouais, mais je finis ça, si tu veux. Et je viens de filer un coup de main. Ouvre un salon.
Parce que je sais pas exactement ce que tu veux farm comme perso. Et marque-moi le code là du truc et je te rejoins. Ça me rappelle limite avant de la Mustang. Au state là-bas. T'as même un projeté sur les sols. J'en ai pas besoin de code, non, j'en ai déjà assez. Ben d'abord tu l'as fait en privé, tu me donnes le code. Une fois que je serai dedans, tu la basculeras en public. Merci. Go up. Vas-y, je t'attends. Des fois, j'ai même l'impression d'être dans la gamme du Madara. Il me fait croire que j'ai cette boîte, alors que c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, tu l'as la boxe. Mais pas les nouveaux persos, quoi. C'est ça que. J'attends ton code, Lucas. Il manque le Ichigo et le Noitra. En nouveau, ça va, ouais, ça va. Donc deux persos, c'est pas 784 pour 519. C'est quoi comme event bleu? Voilà, attends, je vais changer de perso. Je vais lui. C'est quoi un level 100 en plus? C'est bon, maintenant tu peux la passer, tu peux la basculer en public là maintenant, c'est bon. Le dessin, Ligue 10. Ah ouais. Il y en a plein en plus maintenant là. Alors qu'avant, level 10, moi, dès que tu étais dans la 10e ligue, mon pote, mais si tu voyais un 200, tu lui demandais, presque tu lui envoyais un message. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es trompé? Je reste avec lui en bas. Ouais, tu peux rester avec lui, oui. T'inquiète.
Ah ben là, après je dis welcome, le jeu durera plus longtemps et j'aurai plus le temps de compléter la boxe. Bah ouais, en plus en sachant que ils vont rajouter encore ben là 14 persos. 14 personnages. Je pense qu'il y a, là, y a de l'avenir dans le jeu, je pense. Et vu la hype qu'il y a eu pour les 2 ans, je pense que il est bien parti pour quoi. Pas comme Dokkan qui a fait ses 200 mais qui régresse, j'ai l'impression. Et je pense que les gens en ont ras le cul aussi. En plus, ils mettent pas des events, mais ils rajoutent rien de sur le jeu ou quoi. Alors que je pense que ouais, il a plus d'avenir. En plus, ils ont bien l'écoute. Ils sont bien à l'écoute des joueurs. C'est pour ça qu'ils veulent pas mal de retours et qu'ils prennent tous les retours, bons comme négatifs. De toute façon, les nouveaux tech team, je vais zéro zorb. Je les dropper en filler, bordel. Avec déjà le stuff pour 6 prochains mois. Ouais. Bon, après il faut voir, faudra voir aussi qu'est-ce qu'ils donnent les nouveaux persos, parce que c'est pas parce qu'il va y avoir un nouveau skill ou quoi que ce soit. Jusque là où ça marche pas. En plus je joue avec le clavier. Mal ce Chigo quoi. Il fait vraiment mal hein. Il est vraiment bon parce que hop 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 allez. Prends la vie, prends la vie, prends la vie, prends la vie. Oh. Allez, prends la vie, prends la vie. Allez.
faudra que dans les options tu. Laisse-moi tranquille, toi. Ah, c'était là. Oh. Ben voilà. Fini. Si vous formez après le Tigo Bizarre, je viens d'après les muscles perso, vu qu'il part. Dans la première barrière, la dernière, on peut déjà être sûr. Je vais partir le même maintenant dans 3 ans. Avec les films, je pense que c'est même assuré à fin 2018. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, vu les films qui vont sortir. Plus après, je pense que faudrait pas qu'ils nous ressortent, tu vois, l'animé. J'aimerais bien qu'ils ressortent l'animé, mais qu'ils continuent, quoi. Ah, moi j'ai l'impression que j'avais besoin de. Viens avec ta botte, toi! Est-ce qu'après on peut encore farm s'il te plaît? Encore pour les événements? Peu importe, je les ai pas encore fait. Bah les events ils sont super faciles, hein, ils sont level 90. L'event il est level 90 donc c'est easy. Je farme mes cristaux pour choper mes derniers 75 orbes. C'est clair qu'après une fois que t'as tout pété, les persos 4 étoiles, même t'as tout fait. C'est clair qu'après il faut gratter toutes les orbes à droite à gauche quoi. Des livres, mais ça c'est fini en saut, donc bon. Ben vas-y Lucas, ouvre une partie et Raph il a besoin de le faire aussi apparemment pour les livres. Ouvre une partie, envoie le code et je vais te dire, c'est pas de problème. Ok. Attends. J'arrive. Hop. Bah après level 200, je pourrais faire le cliquer avec 115, level 200, putain, là ouais, là tu rigoles pas là. Pour 115 persos, level 200. Coco, regarde, tu auras un coup. Okay. Je vais rester comme ça. C'est bleu, Raph. Comment ça, c'est pas les 2 ans? Je sais pas, il m'a dit de faire le truc des events. Pour moi, l'event, c'est celui des 2 ans. Bah, après, on ira faire ce que on le fait après. Ah là ouais, c'est un 120 quand même, ok. Ah ouais, c'est pas les 20 depuis 2 ans, ouais. Je vais faire un petit coup de main. Ouais parce que là ouais t'as le solo, tu peux le faire en solo Kuraku. Ouais, c'est pas compliqué.
vie, il est important, hein. Il n'y a pas un bug? Il y a un bug. Ah, il est bugué, le truc, là. Ah ouais, il est bugué. Ah ouais. Oh, canab. Ah, tu peux t'arrêter là. Personne ne mourira. Putain, c'est ça là, qui est chiant hein, pour le moment là, de faire les coops là. Ben voilà, connexion avec réacteur interrompu, bataille solo. Ah ben là ça marche. Ah putain. Ben, est-ce qu'avant que toi aussi tu puisses la faire? Ah ouais, mais tu t'es déco. Bon, moi j'ai pas besoin de la faire la mission. Hein. Je suis seul en plus. Oh, c'est un bug. Tu gagnes, ça compte pas, si ça compte pour moi, mais pas pour toi. Non, c'est bon, non. Je lance tout de suite leur contre, je l'ai fait ça du coup, pas besoin d'attendre un quatrième. Je vais pas attendre là. Ça, je m'en fous. Hop. Je vais déjà. Quelle heure il est là, ça vaut 10 minutes. Je vais bientôt arrêter là. Je vais aller manger.
Ça fait là 2h20 que je suis en... Je vais juste finir ça. Ah d'accord, vas-y. Je fais celle-là et après je vais manger. Du coup, je vais pas prendre le shampoo là. C'est cheaté quand même un petit peu. GG.
Hop. J'avais pas besoin. Et de rien, avec plusieurs, quoi. Hop. Ouais, t'aurais dû garder tes orbes. Les orbes, garde-les, hein, quoi. C'est comme ça quand tu vois que t'as encore deux potes à toi et qui sont encore dans le game, garde-les. Tu les utilises vraiment si tout le monde se fait crever et que personne veut remettre des orbes et qu'il reste pas beaucoup sur le boss à ce moment-là, ouais, mais bon. Sinon, ça aurait pas compté ma victoire. Si, si. Tu prends quand même la victoire, les récompenses et tout, même si tu meurs, tu fais que regarder juste. Tu marques regarder et tu restes dans le game, tu regardes le game et à la fin, tu prendras quand même la récompense. Bah au moins tu le sauras. Tu le sauras pour une prochaine fois. On te l'avait pas dit. Bon ben moi sur ce les gars, je vous laisse. Je vous dis je sais pas si je vais streamer ce soir. Je sais pas si je streamerai ce soir et si jamais, ben, abonnez-vous, mettez la petite cloche et si jamais je suis là, si je stream ou quoi, ben, ça vous mettra un petit message. Bon, allez, hop. Merci pour tout, les gars. Merci d'être venu. Et puis ben, je vous dis peut-être à ce soir ou autrement. Ben, de toute façon, moi demain matin, je serai là. Je fais ma vidéo du matin. Que faire sur Bleach Breakthrough. Et puis voilà, ben, si jamais, je vous dis à demain ou peut-être à tout à l'heure. Merci à vous. Ciao, ciao.